Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous partons en Angleterre voir cette Morgan Plus Fort, la toute nouvelle sortie des chaînes de Malvern. Allons voir ça. Admirez ici la configuration de couleur de cette Morgan Plus Fort en Sports Black, donc c'est un noir brillant profond sans le côté métallisé. Donc, qui enlève une touche de modernisme à cette Morgan moderne. Ici, avec, vous voyez, des papillons centraux, enfin des écrous centraux octogonaux anodisés jaunes qui donnent vraiment un côté vintage. Un porte-bagages et une roue de secours qui rappellent les vieilles Morgan. On retrouvera toujours, vous voyez, une auto avec des side screens, c'est-à-dire des vitres latérales en plexiglas que l'on peut dévisser de la voiture pour garder vraiment le côté vintage. Sur la partie avant, on retrouvera deux phares longue portée avec une partie basse ici, sorte de spoiler d'entrée d'air. Absence de pare-choc, logo numéro 4 sur le grillage de calandre, calandre noir, jante noire. Ici on retrouvera également les feux à LED. Les drapeaux anglais, les rétroviseurs ronds extérieurs. Sur la partie intérieure, cet intérieur cuir bordeaux est somptueux avec le fil de couture légèrement plus rouge que la couleur du cuir, ce qui fait un contraste léger et subtil. Idem pour le logo Plus Fort brodé sur la pu-tête. Ici, également sur la partie de la console centrale garnie du cuir des fauteuils, très élégant, avec cette planche de bord noire peinte comme la carrosserie. On est sur un intérieur qui est splendide. Dans un état exceptionnel. En revanche, là, c'est bluffant. L'espace intérieur de cette Morgan Plus Fort impressionne. On voit tout de suite que le siège est plus en arrière que sur les anciennes générations. On voit également immédiatement que les deux sièges sont plus écartés, ce qui améliore le confort. La largeur entre épaule et épaule vraiment est grandement améliorée. Ici, la longueur aux jambes, pour les grands comme pour les moins grands, c'est incroyable. Ensuite, la finition, vous voyez, avec ici, vous voyez, vous avez une coque arrière, des jolies vis inox. Ici, sur la partie du logement arrière, on retrouvera des haut-parleurs arrière avec une jolie grille, vous voyez, spécifique Morgan. Très bien fini. Ici on le voit sur l'arrière des sièges. Voyez. Les sièges sont très fins, très bien finis. Également cette console centrale que personnellement je trouve très élégante. Vous voyez, avec cette casquette ici de console centrale garnie du même cuir que les fauteuils, avec ici les deux buses d'aération pour le chauffage qui sont correctement orientées, contrairement aux anciennes où il faut vraiment mettre sa main dessous. On retrouvera le look du tableau de bord de l'ancienne Plus 4 GDI, mais, et on reconnaîtra tout de suite que la planche est plus large. Et pour cause, cette voiture
est plus large que l'ancienne, avec un habitacle plus large. Donc la planche de bord, même si elle respecte le design de son aîné, ici, vous voyez l'espace intérieur avec les jolies moquettes noires, passepoil bordeaux comme les sièges, c'est très beau. Ici, on retrouvera une petite poire pour gonfler ou dégonfler les lombaires au niveau du siège. Ici, on retrouvera en partie, vous voyez, deux portes, une charnière articulée qui se loge à l'intérieur de la porte, ce qui vous fait un arrêt de porte, vous voyez, d'origine. Admirez ici la finition du cuir, donc un cuir ici perforé. Vous retrouverez les haut-parleurs à l'intérieur, donc c'est vraiment discret. Ici, regardez, très bien fini également l'intérieur du side screen qui est garni de cuir comme la voiture pour vraiment, améliorer le côté cosy, le côté chic, le côté cuir de cette voiture. On retrouvera ici une poignée de porte pour ouvrir et fermer, une sangle de cuir pour tirer et fermer votre porte. On retrouvera les fameuses vitres électriques de chez Morgan. Voilà, pour ouvrir et fermer. Ici, ils ont également amélioré, vous voyez, le système de protection pour la ceinture, ce qui fait que ça coulisse sur cette petite couche de protection qui est un cuir dur très épais qui évite au siège de s'abîmer. Le système de capote, lui, est bien sur le même système, vous voyez, avec un joint en U, vous voyez, avec ces petites rainures qui permettent d'assurer l'étanchéité une fois que vous comprimez le montant supérieur de capote sur le montant de pare-brise, ce qui nous permet une étanchéité vraiment parfaite. Ici, allons voir également la partie, je dirais, entrée de porte. Donc, on retrouvera, vous voyez, ici, un tunnel d'entrée qui est réduit par rapport à l'ancienne génération et qui permet de gagner évidemment sur l'espace intérieur. Donc ici, vous voyez, on a toujours ce système de serrure. C'est très bien fini ici au niveau du cuir. Vous voyez l'armature de capote, c'est joli. On retrouvera ici le frein à main classique. Terminé. L'ancien système britannique. Sur la partie intérieure, donc tout de suite, hop, je me permets de m'installer à son bord. Voilà. Je vous y invite avec moi. On retrouvera ce volant au look moderne que l'on peut remplacer par un volant Motolita bois avec le volant avec le moyeu adapté. C'est faisable maintenant. On retrouvera devant soi une jauge à carburant. On retrouvera un écran digital Morgan. Donc ça, évidemment, ça n'a jamais existé sur les anciennes générations. Une jauge de température. Ici, sur la partie centre de tableau de bord, donc contour à gauche, compteur de vitesse 300 km/h. Ici, les boutons de ventilation, donc ventilation, température de chauffage, donc froid à gauche, chaud à droite, classique, orienter l'air vers le bas, bouton start de démarrage, désembuage du pare-brise, on garde un pare-brise avec des résistances, des filaments dans le carreau. Donc, ça ne change pas. Les warnings. Lorsque l'on met le contact sur cette Morgan Plus 4, une petite séquence qui s'allume sur l'écran digital devant nous. Voilà. Donc là, le bouton Start clignote sur l'écran, qui nous indique tout simplement
d'appuyer sur le bouton Start de démarrage. Ici, on trouvera les phares automatiques que l'on active sur le commodo en partie droite, gauche, pardon, ici. Donc, je peux éteindre les phares ou les laisser en mode automatique. Ici, sur la partie droite, sur le commodo de droite, un petit interrupteur qui vous permet de sélectionner les divers menus. Ici, la touche sport. Dans l'échappement sont normales. Petit appui long, quelques secondes sur le bouton sport qui vous allume également ce petit symbole S+. Et là, le son est plus développé avec des pétarades à l'échappement. Ici, en version, vous voyez, de face avant sans les protections de feu longue portée. On préférera, avec les caches cibiées, lui donner un look sportif ou plus élégant comme cela, à choisir. Ce sont des caches qui se clipsent. Ici, en version capotée, on retrouve la silhouette habituelle de la Morgane Plus 4, sans y voir de grandes différences sur l'extérieur. Hormis, on le voit ici, les feux stop intégrés dans la partie basse de la capote, on le voit ici. Donc là, c'est la particularité de ce système de capote. Le reste, que ce soit la fixation avant, la fixation latérale, l'ouverture arrière, reste identique. Ici, pour cette Morgane Plus 4. Allons voir ici le compartiment moteur. Donc on a toujours le crochet d'ouverture ici, comme les Morgane, je dirais plus classiques. On voit ici les deux turbos, la partie échappement, catalyseur, propreté générale de l'ensemble, pas grand chose à dire. Ici, la partie de l'entrée d'air pour le bloc chauffage. On voit ici, et là on respecte un petit l'esprit, c'est qu'on a toujours une petite partie structure bois qui se trouve là, sur laquelle est posée la partie supérieure de carrosserie. Donc on respecte quand même l'esprit d'origine. La batterie sur les Morgane modernes revient dans le compartiment moteur, ce qui est beaucoup plus pratique. Voilà, on est ici sur une mécanique totalement novatrice pour une Morgane Plus 4. Ici, la propreté générale règne. Un petit peu d'eau, là on a lavé la voiture, donc il reste un petit peu d'eau qui va sécher en roulant. On va aller faire le test routier après. Enfin, la propreté générale de l'ensemble, il n'y a rien à dire de particulier ici pour cette Morgane moderne. Ici, le moteur 2 litres BMW 4 cylindres. Ici, on voit un turbo et sa commande de turbo, vous voyez. Alors, nous voici maintenant à bord de cette toute nouvelle Morgane Plus 4, donc la nouvelle Plus 4 dans la tradition depuis les années 50. Pour la démarrer, cette voiture, on a changé de clé. Déjà, vous avez un plip qui vous permet d'ouvrir et de fermer votre voiture à distance, fermeture centralisée.
Ça n'a jamais existé chez Morgane, c'est la nouveauté. Ça existe depuis 25 ans sur la moindre Renault, mais il a fallu attendre 2020 chez Morgane pour avoir ça. Sur la clé de démarrage, eh bien, on a changé de clé, mais on a toujours une clé quand même qu'il faut insérer. On garde le côté traditionnel de ce constructeur britannique de Malvern, que j'apprécie tout particulièrement. Il suffit d'insérer la clé, je dirais, dans le contacteur de démarrage. Et puis là, vous avez tout simplement, eh bien, je dirais, à appuyer sur l'embrayage et appuyer sur le bouton Start de démarrage. Immédiatement, ce qui est frappant, c'est l'espace intérieur. Vraiment, moi qui fais 1m92, je suis allongé littéralement dans cette voiture. Je suis tant au niveau du pédalier qu'au niveau du volant, vraiment très bien positionné. Regardez, je peux encore rapprocher le volant si je le veux. C'est dire si cette voiture est faite pour tous les gabarits. Le frein à main tombe bien sous le poignet, le levier de vitesse est bien positionné. Franchement, gros coup de cœur. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller la faire rouler, de la découvrir ensemble, cette voiture. Allons-y. Il fait beau. Profitons-en. Alors, la direction est vraiment très légère. Là, on a une direction assistée électrique, comme les voitures modernes. Franchement, c'est extrêmement facile. Clignotant. La boîte de vitesse d'une précision absolue. Le débattement du levier est assez court. Le clavetage est précis. Vous êtes sur une boîte 6 vitesses ici. Le son du moteur, la sonorité est assez rauque. Et quand on accélère et qu'on met de la charge sur l'accélérateur et qu'on relâche la pédale, on entend les turbos. Cette voiture est équipée d'un moteur 4 cylindres, 2 litres, biturbo. On sent tout de suite le couple énorme de cette voiture. Il suffit d'appuyer un tout petit peu sur la pédale accélérateur, la voiture s'en va. Franchement, ça n'est pas la même auto. Il est assez clair que le positionnement de cette voiture est totalement différent. Alors ce 4 cylindres BMW, ici vous retrouverez l'avant caractéristique d'une Morgane, avec, vous voyez, les deux ailes rapportées de part et d'autre du capot. Ce capot qui lui s'ouvre avec une charnière longitudinale, et ces deux rangées d'ouïes de part et d'autre de cette charnière. On est vraiment sur un avant traditionnel. Et franchement, c'est un plaisir de se balader sur ces routes de campagne au volant de cette Morgane plus fort, extrêmement coupleuse, la sonorité très agréable. 2000 tours minute sur le filet de gaz, un couple incroyable. Ici, test du Dodan. Ça repart immédiatement. Alors, honnêtement, je suis extrêmement séduit par cette nouvelle génération de Morgane, qui est pour moi très utilisable, beaucoup plus utilisable qu'une Morgane classique, avec laquelle j'ai immédiatement envie de voyager, envie d'aller me balader. Et elle va s'adresser à un public différent, cette nouvelle Morgane. Celui qui a envie, je dirais, d'une Morgane au look de Morgane, mais avec un châssis rigoureux, avec un modernisme dans la direction, dans la suspension, tout en ayant le côté archaïque de devoir sangler sa valise sur le porte-bagages. Eh bien, si vous voulez un mélange de tout ça,
que vous avez adoré votre BMW Z4 ou votre Lotus Evora, eh bien, et que vous avez toujours aimé les Morgan classiques, mettez ça dans un checker, secouez, les nouvelles Morgan sont là. Impressionnant. Honnêtement, un régal avec cette boîte manuelle. Le maniement est extrêmement facile. Le châssis est rigoureux. Ah, la boîte, elle est... C'est une tuerie, cette boîte. Vraiment, regardez. On a inscrit le train avant. C'est vraiment un délice, regardez. Une courbe sympa. C'est impressionnant. Admirez ici cette configuration à la lumière du jour. Ce noir uni et sur un soleil rasant, c'est magnifique. Avec ces écrous anodisés. Cette roue de secours, ce porte-bagages, cette double ligne d'échappement. C'est vraiment somptueux. Et l'intérieur en cuir, vous voyez, Bordeaux, est d'une élégance folle. Regardez ça, superbe. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Un peu de poussière, hein. On revient de 50 km d'essai. Non, ça s'enlève. Hop. Non, tout est impeccable. La grande nouveauté ici, vous avez des freins à disque à l'arrière avec les écrous ici anodisés, c'est vraiment superbe. Jantes à rayons, pneus en 205 60 par 15, pneus anglais des Haven, jantes tubeless. Ici on arrive sur le marchepied droit. Micro, petite rayure, hein, comme un caillou. Bon, ici quelques petites traces de frottement de chaussures, mais ça s'enlève au lustrage. Rien de particulier. Ici, non, tout est parfait. Ici, tout est parfait. Ici, sur la jante avant, donc également, donc jante à rayon, frein à disque, roue tubeless, pneus en 205, 60 par 15, sont les pneus. Ils sont 2020, hein, ils ont 10 000 km, donc c'est neuf. Ici sur la face avant, non, ça c'est un moustique. Micro tête d'épingle, vraiment micro de chez micro ici. Non, ça s'enlève. Ici vous avez, on a pris un moustique sur la route. Ici vous avez encore un feu à LED, phare longue portée. Donc là, sur la calandre avant, pas grand chose à dire. Hop. Ici sur la face, demi-face avant gauche, a rien à signaler. C'est quoi ça? Non, ça s'enlève. Petit moucheron, non, rien de spécial. Et l'avant gauche. Alors j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter la voiture après 50 km d'essai. Donc, évidemment, il y a des petites traces de roulage, mais rien de spécial. Ici, regardez les intérieurs de roue. Les freins, rien à dire. Il y a quelques traces de gras, mais c'est de la saleté. Rien à dire.
ici, bon, quelques micro traces, micro. Ça sent les balustrages sans aucun problème. C'est micro rayures. Voilà. J'ai mâché les mots. Alors ici. Alors tout ça, ça s'enlève. Hein, c'est. À un moment donné, un monsieur qui a mis son lave-glace, j'ai l'impression. On s'est pris une giclée. Non, rien à signaler. Hop. Voilà. Voilà. Du coup, une microfibre humide. Voilà. Sans appuyer. Pour encapsuler la poussière. Voilà. Tout est impeccable. Alors, une micro tête de gravillon ici. Frein à disque à l'arrière, on en a parlé de l'autre côté, hein, c'est symétrique. Ici sur la partie arrière gauche. Alors, c'est de la saleté, hein, rien de spécial. Face arrière, ici avec les deux sorties d'échappement. Le feu de recul qui est ici. Bon, c'est superbe. Qu'est-ce que c'est ça? Non, la poussière. Allons voir ensemble les dessous de cette Morgan Plus 4. Premier tour d'aspect général. Alors ici, on voit tout de suite la différence notable par rapport aux anciennes générations de Morgan. Exit le châssis échelle. Ici, vous avez une structure aluminium complète. Vous voyez, rifté, collé. Vous voyez, la voiture est entièrement en aluminium. Son châssis, sa carrosserie. Voilà. On voit ici, par la grille, sa direction. Hop. Vous voyez, avec l'assistance électrique. Ici sur la partie avant, double triangulation, triangle supérieur, triangle inférieur, combiné ressort amortisseur. Donc c'est vraiment du classique. On comprend pourquoi la tenue de route est ainsi, digne d'une voiture de course. Regardez, c'est magnifique. Rien à dire. Voilà. Ici, vous avez cette partie donc où sont fixés les bras, les triangles inférieurs. Vous avez une sorte de châssis avant, alu également, qui lui est boulonné sur la caisse en alu. Donc, on pourrait dire que c'est le berceau avant. Ici, silencieux également. On voit le travail des lignes d'échappement donc, qui sortent en quatre sorties, qui se regroupent dans ce silencieux final. Voilà, on le voit ici. Dans un état neuf. Ici, regardez la tôle par chaleur. Superbe. Vous avez ici la suspension arrière. Là, c'est également la révolution chez Morgan, puisque on retrouvera également une double triangulation, donc triangle inférieur, triangle supérieur. On retrouvera des freins à disque, donc hydrauliques et à câble pour la partie frein de stationnement. On retrouvera ici un arbre de transmission qui vient ici se raccorder sur un différentiel qui, lui, est fixé sur la caisse. Vous voyez, par ces petits cils en bloc. Voilà, donc lui est fixe et ne bouge jamais. Et donc, c'est ensuite les roues qui bougent de manière indépendante. Donc, c'est une suspension arrière indépendante à double triangulation avec combiné ressort amortisseur. Donc, ce qui explique tout de suite le positionnement dynamique de ce châssis avec notamment une rigidité de cette structure alu qui est impressionnante. Et donc l'ensemble nous fait une voiture incroyable, vraiment,
très différentes évidemment des anciennes, rien à voir, pas la même auto, la même carrosserie si on peut dire, mais c'est tout. Magnifique état, je n'ai rien trouvé à dire sur l'état de cette voiture, sur les soubassements, on a l'impression qu'elle est neuve. Alors nous terminons la présentation de cette Morgane Plus Fort. Nous arrivons ici avec cette voiture dans une nouvelle ère. On associe le charme d'une Morgane. Je trouve que vraiment le charme reste, est toujours là, toujours présent. Et on y associe une modernité, une auto mieux finie, plus d'espace à l'intérieur, tant en longueur qu'en largeur, qui est capable d'avaler les kilomètres de manière plus sûre en tenue de route et plus confortable. Et finalement, on pourrait dire que c'est une sorte de BMW Z3, Z4, tout en ayant le look Morgane. Je trouve que pour celui qui a envie de voyager, de rouler, tout en ayant l'esprit du look d'une Morgane, eh bien la voiture est incroyable. Ici, en boîte manuelle, on garde le contrôle sur la voiture. Vous avez un porte-bagages pour y mettre votre valise. Donc, on garde le côté vintage. On a une couleur qui fait ancienne. Ce noir qui est uni, sans le côté métallisé, rappelle vraiment les voitures anciennes. Je pense notamment, vous savez, aux fameuses Bentley continentales qui sont pôle illustrées. Ça fait vraiment ancien. Avec l'écrou de boue anodisé, je trouve que ça fait vintage. Avec cet intérieur cuir bordeaux, la combinaison de couleurs est très chic et finalement fait classique. Et je trouve que pour toutes ces raisons, cette auto, elle mélange et une auto qui est plus moderne, mais pour autant, on garde la boîte manuelle. On a des roues plus larges, un gros moteur, une consommation d'essence très faible, une fermeture centralisée pour pouvoir ouvrir, fermer sa voiture. On a un côté beaucoup plus sécuritaire sur cette auto qu'on va l'avoir sur les autres. Avec un look qui reste, je trouve, un look ressemblant à une Morgane. Certes, peut-être une clientèle différente des Morgane HSI séparées qui, elles, sont des vraies voitures anciennes à conduire. Suspension, lame de ressort, sautillement, très rigide. Ce sont des vraies autos anciennes, ce que je dis toujours, avec une moto moderne. Ici, on est sur une auto moderne avec une robe de voiture plus âgée. Donc, je trouve que le positionnement est différent. En revanche, ici, une voiture de première main, 10 000 km, prête à partir, n'hésitez pas, avec grand plaisir que l'on vous montrera cette belle Plus Fort. N'hésitez pas à venir l'essayer avec nous également. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. À bientôt, au revoir.